célébration populaire ici à la Maison du Peuple, à l'Assemblée nationale. Et nous sommes avec le maître des lieux, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Jean-François Ndongo. Merci de nous accueillir dans la Maison du Peuple. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il s'agit de questions nationales, le peuple est à la disposition de la République. Et je ne suis pas seule, je suis avec Dimitri Abourmeur. Mon cher Dimitri, vous avez arboré un costume aux couleurs du drapeau gabonais. Oui, oui, Marielle, effectivement, c'est la célébration de la journée nationale du drapeau. Et le bleu, effectivement, représente l'une des valeurs cardinales de la République. Vous le savez, ça y représente le ciel, qui représente effectivement la paix légendaire à notre pays. La paix légendaire à notre pays, Monsieur le Président, avant d'entrer dans tout notre questionnement, c'est peut-être la première interrogation est située autour du thème retenu cette année. Autour du drapeau, exprimons la fierté nationale. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça nous inspire d'abord la reconnaissance à notre terre natale, et qui est symbolisée par un certain nombre de questions, de choses, comme le drapeau. Il y a l'hymne national, et là, aujourd'hui, on parle du drapeau, ce qui représente notre nation, la République gabonaise. On reconnaît la République gabonaise à travers ce tissu qu'on appelle le drapeau national. Et de nos jeunes âges, on nous apprend ce que représente le drapeau. Oui. Et le thème qui a été retenu pour cette 15e édition est à propos, est fort à propos, parce qu'on doit être fier de son pays. On doit être fier de tout ce qui représente le pays. On parle du drapeau, on parle des institutions, de ce qui représente les institutions. La première d'entre elles, c'est le président de la République. Qu'on l'aime ou pas, il est le président de la République. Il représente notre nation. Et le drapeau gabonais, avec ses trois couleurs, chaque Gabonais doit s'identifier à ce drapeau. Et le thème qui a été retenu cette année-ci est fort à propos. On sort d'une situation assez particulière. Est-ce qu'il aura fallu attendre la transition pour exprimer la fierté nationale, Monsieur le Président? Non. On l'avait déjà. Dès les années des indépendances, on avait déjà cette fierté, mais elle s'est effritée. Donc, le 30 août et l'arrivée de la transition nous permettent de reprendre ce que nous avons un tant soit peu perdu, l'attachement à notre pays. Et les autorités de la transition nous ramènent à ce que nous devions être, à ce que nous étions à un moment donné dans ce pays. Et ce qui se passe permet à chaque Gabonais de se situer à l'intérieur de son pays et de voir comment il peut apporter sa pierre à l'édifice Gabon. Dimitri, c'est d'ailleurs une première que nous commémorions cette journée nationale du drapeau avec deux phases. La phase solennelle, donc autour du président de la République, première institution du pays, mais également la phase populaire ici à l'Assemblée nationale. Mais encore. Oui, tout à fait, Monsieur le Président, on le voit bien, à deux pas de nous, donc ces chants culturels qui sont arborés pour célébrer le drapeau national. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale est l'une des importantes institutions de la République, et à l'heure finalement de la restauration des institutions, quelles sont les initiatives qui sont prises au sein de l'Assemblée nationale justement pour renforcer l'esprit patriotique? Bon, d'abord, c'est le choix qui a été fait par le gouvernement de célébrer cette 15e édition à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal, c'est la Maison du Peuple. Tout un symbole. C'est tout un symbole, c'est le peuple qui doit s'approprier de cette journée. À l'époque, on la faisait à la présidence de la République, seulement à la présidence de la République, avec les militaires, les officiels. La population n'était pas invitée à participer à cette fête, à cette célébration. Mais là, on a ouvert l'Assemblée nationale, l'esplanade de l'Assemblée nationale, on l'a ouvert au public. Et donc, c'est le peuple qui s'approprie désormais de la journée nationale du drapeau. Pour resituer le Gabonais dans cet élan, l'Assemblée nationale a lancé le tome 2, un livre, le tome 2 sur le patriotisme. La 13e législature
avait déjà fait le tome 1 sur la paix. Vous vous souviendrez qu'en 2016, l'Assemblée nationale ici a subi les affres de la population au sortir des élections de 2016. Et mon prédécesseur de l'époque, M. Honoré Boukoubi, a mis en place, a fait rédiger le tome 1 qui est sur celui de la paix. Avec les événements du 30 août et la mise en place des institutions de la transition, nous avons pensé modestement qu'il était utile de lancer le tome 2 sur le patriotisme. Sur le patriotisme. Toujours pour symboliser ou marquer notre attachement à notre pays, le patriotisme. En parlant de patriotisme, Monsieur le Président, quelles sont les parties prenantes qui ont participé à l'écriture de ce tome 2? Bon, le tome 2, il y a d'abord les députés, les 98 députés. Sur les 98 députés, il y a au moins 75 où chaque député a apporté une contribution, sa conception du patriotisme. Sur deux pages, les députés ont contribué, les universitaires ont contribué, les politiques, les confessions religieuses, les artistes, les journalistes. Donc, toutes les forces vives de la nation ont contribué et chacun a donné sa définition de ce que c'est le patriotisme. Justement, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il en ressort? Quelle est la conception aujourd'hui du patriotisme gabonais au sorti de l'Assemblée nationale? C'est reconnaître qu'on est lié à un pays. Reconnaître que ce pays a besoin de ses filles et de ses fils. C'est se poser la question, qu'est-ce que je peux apporter pour le bien de mon pays? Parce que chaque Gabonais est une pierre pour cet édifice qui est le Gabon. Chaque citoyen doit se sentir lié à un pays. Et nous pensons que, à travers ce livre, les jeunes, ou les, tout simplement les Gabonais, ils vont de plus en plus être attachés, non pas seulement aux idéaux, mais à la nation gabonaise. Monsieur le Président, être attaché à la nation gabonaise, vous disiez à l'instant qu'en 2016, la population, l'Assemblée nationale a subi les affres de la population. En 2023, les militaires ont dû intervenir pour éviter également que le pays connaisse encore des moments tumultueux. Est-ce que dans ce livre, il y a également des éléments qui peut permettre de faire comprendre aux acteurs politiques également, qui sont pointeux du doigt d'ailleurs, qui ne sont pas les seuls responsables, la population qui n'est pas la seule responsable dans ce qui est intervenu en 2016 ici à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a également la part de responsabilité des acteurs politiques qui est interpellée là-dedans pour une prise de conscience? À partir du moment où on parle du patriotisme vis-à-vis d'un pays, ce pays est considéré comme un bien et qui n'appartient pas à un clan ou à des individus. Ce bien appartient à la communauté nationale constituée des citoyens gabonais qui fait que ce bien soit préservé par chacun d'entre nous. Donc aussi bien les politiques que la société civile, on doit tous faire en sorte que ce bien doit être gardé de manière précieuse. Donc, les politiques sont interpellés, et ce n'est pas seulement les politiques, et tout citoyen. C'est pourquoi je parle des artistes. Lorsqu'un artiste se produit, on demandera de quel pays? Du Gabon. Donc, les personnes d'activité, ils peuvent favoriser la promotion du Gabon. Le sportif, si nous laissons nos sportifs qui sont aux Jeux Olympiques, s'ils arrivent à avoir la médaille d'or, c'est l'hymne national, c'est le drapeau gabonais. Donc tous les Gabonais vont se reconnaître à travers ça. Donc chaque citoyen porte en lui une responsabilité pour l'avenir de ce pays. Et c'est intéressant de revenir sur les artistes, sur les sportifs et même sur les militaires, parce qu'on a l'impression que surtout les militaires et les sportifs portent au haut les couleurs du drapeau gabonais, ont cette fierté nationale exprimée. Vous parlez du tome 2, donc de ce livre blanc qui a
qui a trait au patriotisme, comment l'inculquer aux plus jeunes générations? Comment faire en sorte que ce temps de la soit disponible pour qu'on passe le relais également à ses enfants? Vous savez, il fut un temps, avant de rentrer en salle de classe, dans les écoles primaires, on chantait l'hymne national. Donc, dès le jeune âge, on vous apprend tout ce que c'est l'hymne national. On faisait la levée, la montée et la descente du drapeau. Et depuis le 30 août, c'est de retour. Donc, c'est des symboles qu'on montre aux enfants dès leur jeune âge. S'agissant du tome 2 sur le patriotisme, nous avons édité 500 exemplaires. Nous allons les distribuer d'abord aux contributeurs, aux institutions. La deuxième phase, nous allons l'éditer en nombre suffisant pour les déposer dans les missions diplomatiques, dans les établissements secondaires et primaires, et dans les différentes bibliothèques à l'université et à la bibliothèque nationale, et certainement auprès des collectivités locales. Donc nous allons remettre aussi à l'éducation nationale ce livre pour que chaque professeur, au moins une fois dans l'année, puisse prendre quelques extraits pour les présenter à vos élèves. Donc ce n'est pas un livre d'une action ponctuelle, c'est une action permanente, parce qu'il faut que les générations et générations puissent s'approprier cette notion de patriotisme vis-à-vis de notre pays. Et nous reconnaissons que vous faites œuvre utile. Pour rebondir un peu sur ce que Dimitri disait, il y a les populations d'une part qu'il faut éduquer, mais il y a aussi les autorités. Alors le patriotisme, c'est un tout. Comment, au niveau de l'Assemblée nationale, en plus de ce livre blanc, vous pouvez rendre, j'ai envie de dire, pérenne, finalement, cette commémoration de la Journée nationale du drapeau et même des symboles de la République, pour permettre aussi aux acteurs politiques de s'imprégner véritablement du rôle qu'ils devraient jouer et de créer ou de susciter l'émulation patriotique en eux? Mais vous savez, depuis que le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, a décrété que tous les lundis, on procède à la levée du drapeau et le vendredi à la descente. Tous les députés, on se retrouve là, société civile, partis politiques, les militaires, nous nous retrouvons pour la montée du drapeau, pour la levée du drapeau, parce que nous avons quelque chose en commun. Donc, au sein de l'Assemblée nationale, nous le faisons déjà. En plus de ce que le patriotisme, tel qu'il a été défini dans le livre, c'est 75 députés sur 98 qui ont contribué. Donc, il y a presque 80% des députés ont contribué à ce livre. Donc, il y a un attachement. Et ceux qui ont contribué, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, ils font la promotion de cette notion auprès des populations dans les différents sièges où ils circulent en ce moment. Monsieur le Président, faire la promotion des notions de patriotisme et des valeurs qui vont avec. Vous avez fait le choix de les inscrire dans un livre blanc qui est une œuvre de l'esprit. On le voit également dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du drapeau dans sa phase populaire, l'implication des populations là-dedans, et on voit une forte présence des artistes. Il y a une place importante qui est faite à la culture dans le cadre donc, de la promotion de ces valeurs patriotiques. Mais malheureusement, on sait aujourd'hui la situation même de ces artistes-là, Monsieur le Président. Quelle est-elle aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on se préoccupe véritablement de la place de la culture? Parce que voyez-vous, aujourd'hui, on se rend bien compte que l'artiste même, l'acteur culturel, joue un rôle central et peut être un renfort important dans la vulgarisation des valeurs républicaines. Quelles sont aujourd'hui les initiatives qui sont prises justement pour préserver notre culture, pour protéger la condition de l'artiste gabonais? Vous savez que le rôle du député, le rôle du parlementaire, c'est voter des lois. Voter la loi. On vote des projets de loi qui viennent du gouvernement. On fait également des propositions de loi. Et sur cette question, nous avons voté ici à l'Assemblée nationale, nous au Parlement, un projet de loi sur la gestion des artistes. Donc nous avons également fait une proposition, bien eu des propositions de loi
qui ont été transmises au niveau du gouvernement sur les conditions, sur la vie des artistes, pour que l'artiste puisse vivre de son métier, son art. De son art. Et qui dit artiste, ce n'est pas que l'artiste musicien, il y a le peintre, il y a l'écrivain. Il y a l'écrivain. Tous, il n'y a pas que le comédien, il n'y a pas que le chanteur. Oui. On prend dans toute la globalité de ce que c'est l'artiste. Nous nous préoccupons en votant les lois, en suggérant, en faisant des propositions au gouvernement, mais notre action se limite là. Il appartient au gouvernement qui a les moyens de conduire une politique et de poser des actes. Nous ne mettons qu'en place un cadre législatif. La loi est là, qui permet au gouvernement d'entreprendre des actions, d'asseoir une politique en direction des artistes gabonais. Et c'est intéressant de parler de la question des artistes parce que ça ouvre un peu le pan de la culture gabonaise. Quand on parle de la restauration des institutions, on se souvient dans les premiers communiqués du CTRI, on entendait le porte-parole du CTRI dire que Dieu est la manne de nos ancêtres. Donc, une sorte de remise à niveau, ou de remettre au centre, au bout du jour, finalement, le côté traditionnel qui a un peu été délaissé. Est-ce qu'au niveau de la Maison du Peuple, en plus de la condition des artistes, vous réfléchissez également? On parle du mariage coutumier, par exemple, qu'on voudrait légaliser en République gabonaise depuis un certain temps. On parle des rites et des traditions qui pourraient être inscrits dans notre patrimoine national. C'est vrai, ça concerne le ministère de la Culture, mais ça devrait passer également par la Maison du Peuple. Est-ce que autant de questions sont réfléchies pour remettre finalement la tradition au centre des préoccupations du Gabon? Lorsque vous circulez ici à l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il y a des tableaux. Ces tableaux ont été acquis bien avant la 13e législature, depuis l'époque du président Chambrier, président Zuba, président Boukoumi. Chaque fois, on achète ces tableaux pour valoriser notre culture. Donc, la présence de ces tableaux démontre à suffisance que nous sommes liés à la culture gabonaise et que nous participons à sa promotion. Mais en plus, Nous n'avons pas la possibilité, lorsque nous avons des réceptions, nous organisons des soirées de gala, quand nous recevons des autres marques, nous faisons appel aux artistes gabonais. C'est une manière pour nous de contribuer à l'épanouissement ou promouvoir les artistes gabonais lorsque nous recevons des autres, d'autres pays. Donc nous participons, nous sommes conscients qu'il faut valoriser notre culture. Et comme je vous disais tout à l'heure, notre travail se limite à l'adoption des lois. C'est aux déjà amendements, la base. Parce que c'est la loi. Il faut encadrer cette activité. Ah oui. Vous savez, les avocats, il y a des textes qui encadrent la pratique. Il y a un ordre. Il y a un ordre des avocats. Il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des architectes. Ce sont des lois qu'on met en place et c'est le travail des députés. Il revient au gouvernement d'entreprendre des actions pour conduire cette politique. D'autant qu'aujourd'hui se pose la question, et vous l'avez signifié, que déjà dans la période des indépendances, on avait cette fierté nationale qui s'était exprimée, mais avec le temps, ça s'est un peu effrité, ça s'est un peu... Voilà. Aujourd'hui, les jeunes générations se posent la question de l'identité nationale même qui forme le Gabonais. Quand on va dans les pays des autres, je prends le cas de la France par exemple, on sait qu'il y a la baguette de France, on sait qu'il y a la moutarde de Dijon, on sait qu'il y a ceci, cela. Au Gabon, on a du mal à avoir quelque chose dans notre diversité, richesse ethno-linguistique, on a du mal à avoir quelque chose qui nous réunit. Aujourd'hui, on célèbre notre emblème national et on voudrait que ça soit l'un des symboles qui nous réunissent, mais il y a quand même ce problème d'identité nationale, Monsieur le Président. Comment on arrive à régler la question ou à améliorer cette conception d'identité nationale au sein des populations? Mais il faut continuer à sensibiliser les populations de façon qu'ils se reconnaissent, qu'ils soient très liés à cette terre. Nous avons le drapeau qui nous unit. Nous avons l'hymne national. Nous avons les institutions. Les institutions, il n'y a pas que le président. L'armée est une institution. Vous avez vu ce qui s'est passé le 30 août. Tout le monde a reconnu l'acte posé par les militaires. Cette institution qui a rendu sa dignité à ce peuple. Nous n'avons, dans chaque province, il y a des spécificités. Si vous allez dans le Haut-Ogooué,
Vous êtes sûr que vous allez demander un plan de Kumu? Si vous allez dans le Gouévindo, vous allez demander le Soukouté. Donc, les gens se reconnaissent. Si vous allez à Port-Gentil ou ici à Libreville, vous allez demander la sardine. Donc, les gens se reconnaissent à quelque chose de spécifique à une province, mais qui appartient au Gabon. Donc, vous parlez de la baguette de pain. Bon, la baguette de pain, c'est tout à fait général en France. Nous, ici, on n'a pas la baguette de pain. On a la banane plantain, on a le manioc, on a, je disais tout à l'heure, des plats spécifiques. Le niembouin, vous avez la sardine grillée ou préparée de manière fraîche ou encore fumée. On la trouve assez particulièrement au Gabon. Donc, on a des choses qui sont spécifiques à notre pays et qui font notre fierté. Je crois que ce qu'il faut dire aux jeunes, il faut être lié à son pays par des actes, par des symboles. Notre drapeau, vous savez, lorsque nous étions étudiants à l'extérieur, quand on partait à l'aéroport, on voyait le perroquet vert. On était fiers. Air Gabon. C'était une fierté, c'est quelque chose qui nous liait à notre pays. Ouais. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit un militaire passer, nous sommes fiers de ce militaire, de ce qu'il a posé comme acte. Le 30 août, organiser, poser cet acte sans infusion de sang, donc ils ont respecté la population, mais ils ont posé un acte assez fort pour que les institutions retrouvent leur noblesse. Pour que les institutions retrouvent leur noblesse, Monsieur le Président, vous l'avez dit, l'institution, quelle l'armée a redonné la dignité à ce peuple. Aujourd'hui, Monsieur le Président, qu'est-ce qui doit être fait justement pour que ce qui s'est passé auparavant ne se reproduise plus? Il faut que chacun se servent de ce qui s'est passé. Parce que l'histoire nous apprend tous les jours. Les événements du 30 août doivent amener chaque Gabonais à réfléchir sur sa participation, sa contribution dans l'évolution de son pays, le Gabon. Lorsque vous êtes dans une position, quelle que soit la position, que vous êtes technicien de surface ou vous êtes ingénieur, vous devez remplir votre mission avec honnêteté et abnégation. Rien que pour servir le pays. Parce que vous n'avez pas d'autre pays de rechange. Il faut que tous, autant que nous sommes, les politiques, les étudiants, les ouvriers, chacun doit jouer sa partition. Tout à fait, parce que, Monsieur le Président, le patriotisme, c'est aussi le sacrifice de soi, le don de soi pour son pays. Effectivement, le don de soi pour son pays. Lorsque quelqu'un, l'étudiant, il doit être parmi les meilleurs du continent ou dans son domaine, parmi les meilleurs du monde. S'il y a 5 ingénieurs très outillés dans un domaine, parmi les 5, il doit avoir un Gabonais. Et c'est ça, la fierté. C'est ça, continuer aussi à l'épanouissement de son pays. En cela, effectivement, vous le dites si bien, pour parler de la question des étudiants, il faudrait aussi que, pour que ces étudiants arrivent à exceller, pour que, effectivement, cette excellence soit au rendez-vous, il faudrait qu'ils soient aussi dans un certain nombre de conditions. Quand on regarde un peu le fonctionnement de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition. On a un parlement de transition qui a été nommé, qui a été mis en place justement pour contribuer à la transition. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi opportun, effectivement, que les acteurs politiques jouent finalement leur rôle au maximum, notamment dans le contrôle de l'action de l'exécutif? Parce qu'on l'a dit à l'instant, l'Assemblée nationale, qui est finalement la maison du peuple, la représentation du peuple, qui est censée défendre les intérêts du peuple, doit pouvoir jouer toute sa partition pour que le peuple, justement, arrive aussi à se retrouver dans les actes et les actions qui sont menées dans cette maison. Oui, mais on parlait des étudiants. Vous savez, le problème aujourd'hui, la gestion des étudiants est assez complexe parce que tout le monde a envie d'aller faire des études à l'extérieur. Or,
80% de ces formations qui sont faites à l'extérieur se retrouvent ici. C'est la seule chose qu'il faut, c'est améliorer les conditions des étudiants sur le territoire national pour éviter que nous ayons des compatriotes qui soient enclins à des formations qui sont à l'extérieur alors qu'elles sont faites sur place. Et également, suivre les conseils d'orientation. Dans chaque établissement, il y a des conseillers d'orientation. Mais ces conseillers travaillent en fonction de la capacité de l'élève. On a suivi un élève de la 6e en terminale, on peut l'orienter dans quel secteur il peut poursuivre ses études supérieures. Le rôle des députés, c'est d'interpeller le gouvernement. Nous interpellons le ministre de l'Enseignement supérieur, le Premier ministre sur les questions d'allocation des bourses d'études. Oui. Nous interpellons le ministre de l'Économie, le ministre du Budget, sur la mise à disposition des moyens financiers où se trouvent les étudiants. Mais il faut aussi que ces étudiants, après la formation, qu'ils reviennent. Puisqu'il y a une contribution nationale. Mm-hmm. Parce que l'allocation de bourses, elle est prélevée sur les ressources nationales pour que ce compatriote puisse revenir au Gabon et apporter sa contribution au développement du pays. Donc nous interpellons, nous faisons des suggestions au gouvernement. Nous sommes conscients que la situation des étudiants est très complexe. Mais il faut aussi que nous puissions nous orienter nos enfants vers des métiers porteurs. Tous les métiers sont porteurs, mais par rapport à nos besoins spécifiques, il faut qu'il y ait une certaine priorité dans la formation de nos jeunes étudiants. Monsieur le Président, nous sommes en pleine période de transition. Vous représentez la maison du peuple, mais dans quelques temps seulement, vous allez être mué en constituante. On aimerait savoir au niveau de l'Assemblée nationale comment vous vous préparez pour travailler sur le projet de loi qui servira finalement au référendum dans quelques mois. Non, nous pensons que nous allons recevoir du gouvernement ce projet et selon la forme qu'on viendra de mettre en place, est-ce que ce serait une constituante avec l'ensemble des députés ou ce serait une constituante avec une partie des députés, notre rôle sera d'examiner cette constitution et de faire des amendements que nous allons soumettre au gouvernement. Et après, nous irons, en fonction de nos sensibilités, nous irons battre campagne pour le oui ou pour le non. On a bien compris que c'était encore trop tôt, puisque déjà certains de vos collègues même vont battre campagne pour le oui ou pour le non. Et d'autres demandent d'attendre, puisque c'est plus logique, le contenu même du projet constitutionnel. Au sein de l'hémicycle, plusieurs projets de loi ont été votés récemment. On va revenir sur le référendum, mais quand même un petit clin d'œil au code électoral qui a suscité beaucoup de discussions, d'âpres discussions au sein de l'hémicycle. On a vu certains députés clairement voter contre. Est-ce que cela traduit aussi la vivacité finalement au sein de l'hémicycle en cette période de transition où on parle de restauration des institutions? Oui, il faut d'abord nuancer qu'il n'y a pas eu beaucoup qui ont voté contre. Il y a eu peut-être 15 ou 20 sur 98. Bon, mais c'est la démocratie. Ça traduit la vivacité de notre chambre ou du Parlement de manière générale. Le code électoral que nous avons examiné et adopté ne portait que sur l'organisation du référendum. Le dernier référendum organisé en République gabonaise remonte en 1994. Et le code électoral actuel ne porte pas de spécificité particulière sur l'organisation de référendum. Donc ce code électoral qui a été voté par le Parlement ne servira exclusivement au référendum. Lorsque nous allons adopter la Constitution, il y aura un autre code électoral qui tiendra compte des élections politiques, des élections du président, l'élection du président, l'élection des députés, des sénateurs et des conseillers locaux. Est-ce qu'il ne fallait pas simplement voter une loi référendaire? Pourquoi partir pour voter un code électoral qui sera modifié après le référendum? Il était nécessaire d'intégrer dans cette loi la dissolution du Conseil gabonais des élections qui était dans le code électoral existant. Mmh. Il fallait supprimer ces dispositions pour rendre opérationnelle la décision
prise par le président de la République. Merci à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndongou. On marque une petite pause, Dimitri, et on se retrouve juste après si Monsieur le Président veut rester avec nous. Avec plaisir. Merci d'être venu à la maison du peuple. Célèbre le drapeau national ici à l'Assemblée nationale, à la Maison du Peuple au Gabon. Et ce n'est pas fortuit puisque toutes les sensibilités se sont retrouvées autour des membres du gouvernement, des députés de la transition. Il y a eu des artistes, on a même eu droit à un défilé de mode. Et nous sommes toujours, Dimitri Abourneur et moi, avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Dimitri, alors la restauration des institutions passe par la restauration de nos symboles, mais aussi par la, en se projetant sur ce que sera l'avenir. Et on parlait déjà en première partie de cette émission de la loi électorale, du référendum, mais encore. Oui, du référendum. Et on est tenté de poser la question à M. le Président de l'Assemblée nationale de la transition. M. le Président de l'Assemblée nationale, pouvez-vous nous décrire un tout petit peu comment les choses sont susceptibles de se passer une fois que le texte de projet de constitution sera ici au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez, on vous dit que la constitution, on l'adopte de deux manières. Oui. Soit par voie parlementaire ou par voie référendaire. Le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, a choisi la voie référendaire. Mais cette loi, nous pensons qu'on ne peut pas la soumettre directement au peuple, sans pourtant que les représentants du peuple ne puissent prendre connaissance. Donc, nous pensons que la loi, le projet de loi, le gouvernement, va nous l'envoyer après que le président l'ait reçu du comité de rédaction, du comité constitutionnel. Constitutionnel, oui. De rédaction de cette constitution. Nous allons recevoir ce projet. Et les deux chambres vont se retrouver. On définira, en accord avec le gouvernement, la forme pour examiner cette constitution. Oui. Et faire des amendements. Nous n'allons pas formellement voter la loi, puisque c'est le peuple qui va voter. La loi sera soumise au peuple. Mais les députés, les parlementaires, vont l'examiner et faire des amendements qu'on enverra au gouvernement. Le gouvernement pourrait, selon, adopter ces amendements ou les rejeter. Monsieur le Président, est-ce à dire que une fois le texte entre au sein de l'Assemblée nationale, on le sait, hein, cette Assemblée nationale qui s'exprime librement, où le débat démocratique est vivace, les différentes positions qui vont être dégagées, puisqu'il n'y aura pas un vote formel, c'est à l'issue donc de ces de cet examen que les différentes parties iront faire campagne. Pardon. Oui, nous allons faire des amendements. Chaque parlementaire fera des propositions et soutenir ces amendements. Si nous les adoptons au sein du Parlement ou de la Constitution qui sera mise en place, nous allons transmettre au gouvernement ces amendements. Sur cette base, le gouvernement apportera certainement des corrections au projet initial. Et c'est ce projet initial, ce projet qui sera amendé par le gouvernement, qui sera soumis au peuple. Donc nous allons certainement nous reconnaître dans certains amendements, certaines propositions qui ont été faites par les députés. Et sur cette base, nous allons pouvoir voter en connaissance de cause pour se prononcer pour le oui ou pour le non. Mais ça permet aux députés, aux parlementaires, de s'imprégner du contenu de cette loi. On ne va pas la découvrir comme tous les autres citoyens, mais nous aurons, du fait de notre position de représentant du peuple, nous aurons le privilège d'avoir examiné et apporté une modeste contribution. Et c'est intéressant la voie référendaire parce que nous ne sommes pas forcément habitués, vous le disiez déjà,
Ça remonte aux années 90, le premier référendum 94 pour être précise. Il faudrait bien expliquer aux populations qui se posent des questions comment ça va se passer. Alors, on a les populations en amont. Quand on suit le chronogramme de la transition qui propose, qui font des propositions pour aller au dialogue, on aura les propositions en aval, les populations plutôt en aval qui vont donc voter cette nouvelle constitution par le oui ou par le non. Si, essayons d'émettre quelques hypothèses, si on vote le non, comment ça va se passer? Est-ce que le projet revient à la constituante ou est-ce que c'est au gouvernement de revoir la copie et de repartir aux élections? Je pense modestement que si le non l'emportait, le projet de loi va revenir au gouvernement, qui vont l'examiner, et ça viendra également au niveau du Parlement. Et nous repartirons cette fois-ci avec des corrections, consulter le peuple. Le cheminement sera le même, si le non, par hasard, l'emportait. Mais si c'est le oui, la loi serait promulguée par le président de la République, ça deviendra la loi de la République. Simplement. La première constitution, d'ailleurs, après plusieurs modifications, il faut dire que les autorités de la transition s'inspirent de celle de 91. Ce sera donc une autre des constitutions qui pourrait s'inspirer de ce texte-là et on serait sur la base de la réforme des institutions en partant de ce texte. Dimitri, peut-être d'autres interrogations sur... Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Admettons l'hypothèse, effectivement, vous avez évoqué les deux hypothèses parce que c'est la question qui sera posée au peuple gabonais, de se prononcer qui pour le oui ou qui pour le non. Mais une fois que cette phase de la transition sera achevée, est-ce qu'on sera là à la fin de la transition ou bien la transition prendra fin à l'issue de l'organisation des nouvelles élections? La Constitution est une étape importante. C'est sur la base de la Constitution que nous allons décliner les autres, les institutions de la République. La première institution, le président. Oui, le mandat. Président, la durée de mandat. La durée du mandat. Le renouvellement. C'est la Constitution qui va définir. Les députés. Comment on organise les députés? L'Assemblée nationale, le Sénat. Comment on organise la Cour constitutionnelle? Comment on organise le pouvoir judiciaire? Donc, on va voir un document qui va nous permettre d'organiser ces institutions. C'est la Constitution. Et après, il faut les mettre en place, ces institutions. Le président public, il faut procéder à l'élection du président public. La Constitution va nous donner des indications qui doivent nous permettre de rédiger et adopter une loi électorale, un code électoral. On va avoir des lois spécifiques sur l'élection du président. On va avoir une loi spécifique sur l'élection des députés, des sénateurs et des conseillers. Lorsqu'on aura fini toutes ces étapes, on arriverait à la fin de la transition. Mais pour arriver à la fin de la transition, il faut que nous ayons ce document de base, la loi fondamentale. C'est elle qui va nous permettre d'aller vers la fin de la transition, pour revenir à la normalité. Et on va un peu revenir sur le code électoral, mais avant, permettez, Monsieur le Président, on a toujours dit au Gabon qu'il avait les plus beaux textes. Avant même le 30 août 2023, on disposait déjà de très beaux textes en matière de constitution, etc. Une question que Dimitri a abordée en première partie, mais sur laquelle je voudrais quand même revenir, puisque elle fera également partie de l'élaboration de cette constitution-là, c'est les contre-pouvoirs de l'exécutif. Qu'est-ce qui pourrait garantir, à l'heure où on parle de restauration des institutions, que le Parlement jouera pleinement son rôle, que le judiciaire jouera pleinement son rôle? Parce que c'est aussi cette séparation des pouvoirs-là qui fera finalement qu'on reparte sur de bons rails et sur la restauration des institutions. Non, les textes sont là. La séparation des pouvoirs, elle est consacrée, elle sera consacrée certainement dans la Constitution. C'est la pratique, c'est la mise en œuvre. Moi, je suis président de l'Assemblée nationale de la transition. À supposer qu'après la transition, qu'on mette en place une nouvelle Assemblée, une nouvelle législature. Le président de l'Assemblée nationale doit jouir de toutes ses prérogatives. Il y a, la séparation est nette, mais il y a une collaboration entre les pouvoirs. Mais aucun pouvoir n'est assujetti à l'autre. Mais ces pouvoirs doivent
cohabiter. On a même remarqué que depuis les années 60, les années de l'indépendance, l'Assemblée nationale était véritablement cette chambre-là où il y avait cette vivacité de la démocratie. On a connu les Aristide, Bourdès, Ogulingende, on a connu des présidents qui se positionnaient clairement, mais comme pour le patriotisme, ça s'est un peu effrité avec le temps. Non, parce que je pense que le travail du parlementaire n'est pas suffisamment connu du public. Lorsque le gouvernement envoie une loi à l'Assemblée nationale, cette loi, le ministre porteur de cette loi vient l'exposer et défendre. Et les députés et les parlementaires restent en commission. Ils débattent, ils consultent. Ils font venir des techniciens, des experts, mais pas forcément du ministère concerné. Ils font venir des universitaires, des scientifiques sûrs pour essayer d'apporter des lumières aux parlementaires. Et les parlementaires font un travail sur chaque article. Les débats se passent à l'intérieur de la commission, à l'intérieur d'une commission, la commission des finances, la commission des lois, la commission de l'environnement. Mais la loi qui arrive à l'Assemblée, au Parlement, elle ressort avec des amendements. Lorsque vous voyez que la loi est votée, parce qu'il y a eu un travail avant, il y en a qui ont soutenu des amendements, il y a d'autres qui n'ont pas pu soutenir valoir les amendements, qui sont rejetés par des collègues. Mais nous soumettons la loi aux voix sur l'ensemble des parlementaires, des députés présents en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Donc il y a un travail qui est fait. Aucune loi ne rentre à l'Assemblée nationale et ressort telle qu'elle est. Mais c'est ça le travail. C'est bien de rassurer l'opinion. Monsieur le Président, effectivement, un travail important est fait en commission. Mais il y a également on a constaté que dans le cadre des comptes rendus parlementaires, il y a différentes séquences. Les députés de la transition, les députés se rapprochent des populations au moment de solliciter leur suffrage prennent le temps donc de recueillir les aspirations, les préoccupations des populations. Et puis, une fois élus, ces députés arrivent à l'Assemblée nationale et puis plus rien. On a l'impression qu'il y a comme... ils sont comme coupés des populations. Et pourtant, on le voit bien, au moment des comptes rendus parlementaires, il y a de temps en temps certains députés qui repartent auprès de leurs électeurs, de leurs concitoyens. Mais quand les lois sont votées à l'Assemblée nationale, lorsque des débats sont menés, mais les populations ont du mal à se retrouver ou se reconnaître dans les débats qui y sont menés. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas également un problème de sensibilisation, de vulgarisation suffisante dans le travail qui est fait, ou bien un problème finalement de porter véritablement la voix de ces populations-là? Vous savez, il faut faire comprendre aux uns et aux autres que les députés, le travail du député, c'est de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement, d'évaluer les politiques publiques, de consentir l'impôt. Et le député transmet à l'exécutif les préoccupations des populations. Soit ce sont des enquêtes parlementaires, soit ce sont des interpellations ou des questions écrites au gouvernement. Ce sont les actions que les députés mènent. Mais l'incompréhension qui est faite, c'est parce qu'on demande aux députés de construire les écoles, de construire des routes. Ce n'est pas le travail du député. Donc, il n'y a pas de rupture entre le député élu et son siège. La preuve que là, le 17 août, les députés sont tenus d'être présents. Là, nous sommes entre guillemets, on parle de siège, parce que ce ne sont pas des sièges, mais nous avons des circonscriptions parce que je n'ai pas été élu. Tout le monde sait que je suis de Mandji. Donc, je vais régulièrement chez moi. À l'occasion, je discute avec les populations. Je rencontre de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Et quand j'arrive ici à l'Assemblée, je pose des questions au gouvernement. Ou ce sont des questions écrites, ou nous mettons en place des enquêtes parlementaires. Donc, il y a un travail qui est fait. Sauf peut-être qu'à l'avenir, nous allons beaucoup plus faire appel aux médias, à la presse, que vous êtes, pour vulgariser le travail des députés, pour que chaque citoyen
se rendent compte du travail d'un parlementaire. Monsieur le député, vous l'avez dit, les députés ont effectivement plusieurs outils à leur disposition, et notamment les enquêtes parlementaires. Or, on a l'impression que c'est à l'arrivée de la transition que véritablement les enquêtes parlementaires ont eu lieu. Et d'ailleurs, certaines... Peut-être qu'elles existaient, mais voilà, n'étaient pas suffisamment vulgarisées. Mais ce sont également des éléments importants qui sont à la disposition des députés de la transition, des députés, je veux dire, et qui doivent pouvoir permettre justement d'éviter à la République un certain nombre de dérives qui ont été constatées. Quand on découvre, par exemple, certains scandales financiers, on se demande finalement quel a été le rôle ou l'action du Parlement dans parfois de certains crimes financiers qui ont pu être perpétrés. Il y a des enquêtes importantes qui ont été lancées, il y a des procès qui ont eu lieu, mais on n'a pas beaucoup entendu les députés sur ces questions-là. Je vous dis, s'agissant des questions financières, donc de la loi de finances, de toutes les lois de finances, les lois rectificatives, les lois de règlement, les députés examinent la loi et font des recommandations. Ils font des recommandations au gouvernement. Nous avons constaté tel. Nous interpellons, nous attirons l'attention du gouvernement sur tel acte, sur tel. Nous n'avons pas la possibilité de punir le gouvernement. La seule chose, c'est de ne pas voter la loi qui est présentée par le gouvernement. Oui. Mais si une loi de finances, qui est un outil important à la fois pour le gouvernement et pour le pays, c'est un instrument important de politique, donc on ne peut pas ne pas voter la loi, mais on apporte des amendements. Oui. Si donc, on fait des corrections, si on a vu qu'un projet qui a reçu suffisamment de dotation et n'a pas vu le jour, on retire ce projet de la loi de finances. Ce sont des actions. Mais la loi de finances est complexe. Tout le monde ne peut pas comprendre ses subtilités quand ce que nous faisons de la loi de finances. Mais donc, nous attirons l'attention du gouvernement. Nous faisons des rapports. Nous recevons le rapport de la Cour des comptes. Et sur cette base, qui est la Cour des comptes, qui est notre conseiller financier, sur cette base, nous formulons des recommandations au niveau du gouvernement. C'est au gouvernement de se saisir. Maintenant, si le gouvernement n'agit pas, il y a les tribunaux. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a des aides de poursuites judiciaires en direction de certains fonctionnaires qui ont été pas respectueux de l'autorité financière. Et on a même envie de dire, heureusement, le 30 août est arrivé, parce que par le passé, on a vu plusieurs projets être réintégrés dans les lois de finances, même quand ils n'étaient pas réalisés aux yeux et au su des députés. Nous, on les retire. Quand c'est un projet, on appelle l'initiateur, le porteur du projet, que tel projet n'a pas vu le jour, vous reconduisez la dotation, elle ne nous paraît pas opportune. On la retire. Alors, vous avez dit votre action, c'est d'interpeller le gouvernement, puisque vous n'avez pas la possibilité de punir ou d'avoir une action plus coercitive sur l'action de l'exécutif. Mais on ne va pas s'avancer sur le contenu de la Constitution. J'aimerais quand même apporter un éclaircissement, ou du moins j'aimerais que vous apportiez un éclaircissement à l'opinion. Lorsqu'on va aller dans la nouvelle Constitution, en fonction du régime qui sera adopté, qu'il soit présidentiel, semi-parlementaire ou parlementaire, qu'est-ce qui pourrait permettre à l'action du Parlement de s'imposer davantage par rapport à tel ou tel autre régime? On verra la Constitution. Nous avons la motion de censure. Lorsque le gouvernement est censuré, le président de la République est obligé d'apporter des corrections. Si le régime est présidentiel, est-ce que l'Assemblée nationale pourra s'exprimer comme il se doit? Quel que soit le régime, l'Assemblée nationale gardera toutes ses prérogatives. Puisqu'il s'agira de voter la loi, il s'agira de contrôler l'action du gouvernement, il s'agira de consentir l'impôt, il s'agira d'évaluer des politiques publiques. Donc l'Assemblée nationale aura toutes ses prérogatives, quel que soit le régime. Si désormais nous adoptons un peu comme en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne, aussi le Premier ministre qui vient engager sa politique devant les députés, est-ce qu'on viendra à ce que le président de la République vienne engager son action devant les parlementaires? Je ne pense pas. Le régime que nous allons choisir, il y aura un gouvernement. C'est ce gouvernement qui viendra répondre aux préoccupations des députés. Donc c'est le gouvernement qui sera en relation sur la base des instructions que le président donnera avec le Parlement. Donc nous allons jouer notre rôle, nous allons voter la loi, ou ne pas voter la loi.
Mais ce qui arrive, c'est que la loi que nous recevons peut être relativement dénaturée par la volonté des députés. Oui. Et si le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord avec les modifications, les amendements faites par le Parlement, le gouvernement a la possibilité de renvoyer cette loi pour une deuxième lecture. Et nous conviendra des modalités à mettre en place. Monsieur le Président, ça chemine vers la fin de cet échange et qui est d'ailleurs très intéressant. Nous sommes en août 2024. Cela, dans quelques jours seulement, on va commémorer la première année du CTRI au pouvoir. Et on sait que l'Assemblée nationale a été mise en place un peu après, mais quand même, quel bilan peut-on faire en un an d'exercice au perchoir? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez que la législature de la transition, comme on peut l'appeler, travaille dans un contexte assez particulier. Oui. Nous n'avons pas de groupe parlementaire. Donc, chaque député vote la loi en fonction de sa sensibilité. Nous avons voté un certain nombre de lois que je n'ai pas en tête. Nous avons mis en place déjà 3 commissions d'enquête parlementaire. Nous avons mis en place 2 commissions d'information. Donc, nous avons, en si peu de temps, nous avons beaucoup travaillé. Je pense que le bilan est très positif. Et nous continuons jusqu'à la fin de la transition, accompagner le président de la République dans le cadre de la remise en place des institutions de la République camerounaise. On allait vous demander les perspectives, parce qu'on le sait aussi, 2025, c'est à côté, il y aura l'élection du président, mais peut-être pas forcément celle des députés. Est-ce que le Gabon aura les moyens de faire un 3-en-1, comme on a vu par le passé, donc présidentiel, législatif, local? Ça reste encore une spéculation, mais quand même, vous allez continuer d'accompagner le président de la transition. Si la transition prend fin, ça veut dire que le mandat des députés de la transition devra également prendre fin, parce que s'il y a une nouvelle élection, il faudra forcément repartir aux urnes. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Surtout que nous sommes aujourd'hui, on le rappelle, dans le contexte de la célébration de la Journée nationale du drapeau et qu'on parle de patriotisme. Non, nous sommes conscients, les députés de la transition sont conscients que leur, je ne peux pas appeler ça leur mandat ou leur mission, s'arrêtera le jour où on mettra en place le nouveau bureau de l'Assemblée nationale issu des urnes. Après l'élection des députés, dès qu'on met en place le bureau, la mission des députés de la transition s'arrête. Nous sommes conscients. C'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis des autorités de la transition qui nous ont fait confiance et vis-à-vis du peuple. Nous avons l'obligation de déposer le mandat dès qu'on aura élu les députés. Ceux qui sont là, qui se présenteront et qui pourraient être réélus, qui pourraient être élus, ceux-là viendront siéger. Mais certains députés de la transition, s'ils n'ont pas été élus, ne pourront pas siéger. Ça, nous sommes conscients. Nous sommes conscients que nous allons participer à une élection présidentielle. Est-ce que le gouvernement va prendre l'option de faire des élections générales ou des élections de manière séquencée, présidentielle, législative, locale, sénatoriale? C'est ce qui se faisait par là, mais on a déjà fait ici des élections jumelées, législatives et locales. Oui. En 2018, il y a eu. Donc, je ne sais pas quelle est la formule que le gouvernement pourra retenir. Je ne veux pas lire dans une boule de cristal, mais c'est au gouvernement de faire son choix. Si le gouvernement a le moyen d'organiser des élections générales, présidentielles, locales, législatives, c'est au gouvernement de décider. Nous apprécierons. Ça ressemblait à une conclusion, mais je vais quand même vous demander de conclure sur le fait du patriotisme. On a, durant le mois d'août, le 9 août, qui ouvre les festivités de l'indépendance avec la Journée nationale du drapeau. On aura dans quelques jours seulement, le 17 août, la journée, la fête nationale. Et le 30 août, désormais, une journée de la libération. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Monsieur le Président, et ce sera votre conclusion, instaurer, comme on a vu par le passé, un premier samedi du mois qui était la journée citoyenne, une journée peut-être liée au rappel des symboles de la patrie, de la République, par mois? Bon, mais vous savez, déjà, nous avons la journée du drapeau. Nous sommes à la 15e édition. Oui. J'ose espérer qu'on pourra s'interroger lorsqu'on sera à la 100e édition.
Donc, on aura déjà fait du chemin. Mm-hmm. Le 17 août, c'est la fête nationale. Mm-hmm. Ça fait 64 ans. 64 ans qu'on fête la fête nationale. Et la ferveur des Gabonais est toujours là. Nous allons avoir désormais la journée du 30 août pour que les générations futures se souviennent. Qu'est-ce que c'est le 30 août? Mais ça ne gêne pas, s'il y a d'autres événements. Vous savez, en France, il n'y a pas que le 14 juillet, il y a le 11 novembre. Donc il y a plusieurs activités qui sont menées, qui font en sorte que chaque citoyen puisse se reconnaître à travers ces journées, son attachement, l'attachement qu'il a à son pays par rapport aux journées. La journée du drapeau, qu'est-ce que c'est le drapeau? Pourquoi célébrer le drapeau? Pourquoi célébrer la fête nationale? Pourquoi célébrer le 30 août? Les générations futures s'inspireront de ces journées et ça fera en sorte que les Gabonais soient de plus en plus liés à leur nation, qu'ils deviennent vraiment ce qu'on attend de ces patriotes qui contribuent à l'évolution du Gabon. Autour du drapeau, exprimons la fierté nationale. Jean-François Ndongo, président de l'Assemblée nationale de transition, merci de nous avoir reçus dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est moi. Merci. Nous aurons toujours besoin de vous. Certainement dans le cadre de la promotion de cette constitution, pour que si nous sommes convaincus, qu'on dise aux Gabonais de voter le oui une fois qu'on aura examiner la Constitution ici à l'Assemblée nationale. Merci à vous, merci également à Dimitri. Ce fut un plaisir d'être à vos côtés durant cette cinquantaine de minutes. Un plaisir partagé, Marielle Liodou. Nous retenons que les Gabonais doivent davantage exprimer leur fierté nationale autour des symboles de la République. Nous avons aujourd'hui l'emblème national qui est célébré, le drapeau, mais il y a également l'hymne national, le blason de la République, l'union travail-justice, la devise de la République, la maternité allaitant, le sceau de la République, mais aussi d'autres symboles comme nos héros. On n'en a pas parlé dans cette émission, mais c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage, tous ceux qui nous ont précédés et qui ont travaillé pour cette nation. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à nos militaires qui ont relevé le défi du 30 août 2023 et aujourd'hui et durant tout le mois d'août. Nous allons d'ailleurs rentrer dans une phase de célébration relative à l'indépendance, mais aussi à la libération du Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez été des nôtres. On vous dit à très vite sur Gabon 24.